émission Le Rond-Point de Kevin First 224, 100% culturel, qui traite votre quotidien, info, culture et sport, avec des rubriques attrayantes. Ça bouge bien, la tendance et où aller ce week-end. Présenté et animé par Kevin First 224. Cette année, on a beaucoup de choses. Et la Foire internationale de Guinée est devenue un événement inédit en Guinée, un grand événement de fin d'année en Guinée. Donc, cette année, c'est, disons, merci aux nouvelles autorités qui nous ont permis cette année de refaire encore, donner le goût aux Guinéens de se mouvoir, de faire la fête des fins d'année. Cette année, on est un peu libre par rapport à la maladie et au confinement. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de mouvements qui vont se passer cette année à la fois. D'accord. Merci beaucoup. Allez, ça se passe super bien. C'est ce que vous constatez. Nous allons rentrer à dedans tout de suite, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, tout est nickel, tout est beau ici. C'est la rentrée principale. L'ouverture, c'est aujourd'hui et ça va être très bien, ça va être super bien. Le lancement officiel, c'est aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Et pourquoi vous êtes présent cette année à cette troisième édition de la foire? Justement de promouvoir nos produits que nous avons déjà, qui sont déjà connus. D'accord. Mais comme vous le savez, on continue de faire la promotion et en plus on a un nouveau produit qui s'appelle ciment costaud. D'accord. Et qu'on est en train de promouvoir depuis avril 2021. Okay. Et on a aussi un programme de fidélité qui est en cours, okay, pour tous nos clients, distributeurs, revendeurs jusqu'aux utilisateurs finaux, pour nous tous ensemble. D'accord. Voilà. Super, ça fait plaisir. Monsieur Benedi Récord, Monsieur Mohamed Ibn Abdallah Oulari, acteur culturel depuis Belle Lurette, il a montré ses preuves. Et aujourd'hui, il est en mode chef du village avec son chapeau. Tous les mesures sanitaires sont déjà prises. Wow. Donc, on fait une lettre adressée à l'ARS qui est prêt à nous accompagner. Si vous voyez, à la rentrée déjà, c'est mis Bavesse, porte de Bavesse obligatoire. Obligatoire. Donc, déjà, la rentrée après l'ouverture, tous les exposants, que ce soit les visiteurs qui viennent, seront avec les masques Bavesse. À la rentrée, voir les thermoplastes. Et voir lavage de main aussi, comme d'habitude. Et nous avons pris toutes nos propositions pour sauvegarder nos clients qui viennent, pour essayer de donner des explications, les faire comprendre qu'on est dans l'esprit de l'ANS. C'est le plus important pour nous. Ben voilà, comme vous voyez, ils sont là. Et on a demandé à tous les exposants de venir avec les canets de vaccination COVID. Avant de les recevoir. Voilà, de les recevoir. Et en plus, ils sont à côté de nous. Exactement, je dis ça. Ils sont tout prêts. Tout prêts. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, on leur demandait aussi de passer se vacciner avant d'avoir l'accès. La plupart aussi ils sont vaccinés. Donc pour cela, voilà. Et le taux a un peu baissé, mais nous prenons des propositions pour cela. Parce que la maladie, même si le taux a baissé, ça peut résulter aussi. C'est pour ça que nous prenons beaucoup attention pour ça. Merci voilà. Beaucoup. En tout cas, c'est bien. Ça fait trois années d'expérience. Qu'est-ce que ça vous dit? Et la particularité, surtout, de cette troisième édition, okay. Si vous remarquez, oui. On a d'abord la plupart des entreprises qui sont ici. Mm. Comme tout à l'heure, vous étiez avec Sima, oui. Guinée Games, oui. Sovragi, oui. Continental. Oui. Il y a beaucoup, il y a des banques qui sont. Exactement, j'ai vu Aura Bank également. Bank aussi est là. J'ai vu les vendeuses de Maraoulagné aussi. Il y a tout, il y a comme tout. Toujours. En fait, la foi, c'est l'endroit où ceux qui sont aisés, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui se debout se retrouvent et travaillent ensemble pendant un mois. Et la foi, chacun gagne quelque chose. La foi permet à nos mamans, nos soeurs, les frères, les exposants, ceux qui veulent communiquer. Communiquer, ceux qui veulent exposer, ceux qui veulent afficher les marques, voilà, afficher les marques et ceux qui viennent aussi pour se débrouiller. Souvent, c'est là où j'ai vu que, au niveau des restaurants, les femmes qui viennent exposer son nombre de vins, chaque jour, ils donnent 1 million, 1 million, quelqu'un prend 20 millions. Il y a souci dedans. Il y a cantine. Voilà, il y a cantine, t'as vu, non? Donc, c'est bien organisé de sorte que c'est la Guinée qui en bénéficie. Exactement. Si je comprends bien, la foire, c'est dans l'idée comme si on disait il y a solde en Europe. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Parce que le prix est cassé ici. Si tu achètes Maraoulagné à 4000 francs dans le quartier, tu viens ici, on va te vendre à 3000. Donc c'est un peu ça. Ça fait plaisir. En tout cas, venez, sortez beaucoup. Foire est devenue aujourd'hui un point de rencontre. Ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez trouver une jolie femme ici, vous vous mariez. Il y a tout ça à la fois. L'amour peut se créer ici, voilà. Si tu veux divorcer, si tu amènes... C'est ce qu'on n'autorise pas ici. En tout cas, merci beaucoup. Les Européens, les Américains, faites un tour ici à Conakry. Il y a beaucoup de changements chez nous. Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Monsieur le Président du Comité d'organisation de la Foire internationale de Conakry, Mesdames et Messieurs les exposants, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités,
c'est pour moi un honneur de venir officier l'ouverture de la 3e édition de la Foire internationale de Guinée, organisée par Benedict Record. À Troyes, on peut déjà parler de succès et d'habituel. Donc, la FIG est entrée vraiment dans les habitudes des rencontres professionnelles, promotionnelles de la Guinée. À l'occasion, je voudrais alors saluer et féliciter les initiateurs et je les exhorte à améliorer les conditions de cet événement d'année en année en tirant les leçons des défaillances et en capitalisant sur ce qui a marché. Cadre adéquat de communication et d'échange dans la vision d'un partenariat gagnant-gagnant, la régularité de la FIG témoigne de la volonté du secteur privé national de s'impliquer dans le développement économique national pour y jouer un rôle déterminant. Ce n'est plus un tabou. L'économie s'est mondialisée et le commerce avec. Donc, à chaque acteur national de jouer sa partition pour la dynamisation des échanges et la création d'emplois. Et pour plus d'accompagnement dans le processus de construction d'une économie libre et compétitive. Mesdames et messieurs, chers participants, depuis plus de 2 ans, l'économie mondiale bat de l'aile car éprouvée par la COVID-19. Les pays ont fermé les portes d'entrée de leurs territoires respectifs. Des entreprises sont au ralenti, d'où la nécessité pour chaque pays de bâtir sa stratégie de développement sur un secteur privé ambitieux, organisé et porté vers la conquête des marchés. Dans cette perspective, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, sous la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence le colonel Koigi Lumumba, et le leadership. Voilà. Et le leadership de la foire. Une semaine. Et déjà, est-ce que vous parvenez vraiment à gérer l'afflux du monde qui arrive très souvent ici? Oui. Vous n'êtes pas débordé? Tout ça se passe très bien. Très très bien. Super. Et espérons que ça continue ainsi. Est-ce que toute personne qui entre ici achète son ticket comme il se doit? Oui, bien sûr. D'accord. Et vous, madame, ça se passe bien? Oui, plus ou moins. C'est vous qui faites la vente des tickets, c'est ça? Non, moi, je suis venue pour une exposition. Ah, toi, tu es exposante? D'accord, j'ai pas bien vu votre badge. Voilà, exposante. Alors, madame, la vente des tickets, comment ça se passe? Ça se passe bien. Non, on est sur Hugo. D'accord. Raymond, Boubou Mabé et mon Toroma. D'accord. Allez, bon courage. Merci beaucoup. La sécurité, ça va, ça se passe? Vous n'êtes pas débordé? Pas encore. C'est vers quelle heure que vous êtes débordé? La nuit? La nuit, parce que les gens ils se saoulent. Et quand ils boivent beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de dérapages. D'accord. La journée, quand même, il n'y a rien de mal. C'est tranquille la journée. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Ces produits, en tout cas, nous aimons ça, nous apprécions beaucoup le travail abattu, c'est super bien. Ici, c'est le stand de Guinée Games. Bienvenue. Ici, le grand jeu. Ça s'ouvre super bien ici. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Ça roule? Ça va, ouais. Super bien. Guinée Games of City. Ouais. Alors, l'atmosphère, l'ambiance ici, comment est-ce que ça se passe? Ouais, ça se passe bien. En fait, là, pour ces 4 jours-là, nous sommes en pleine promo. Et là, ouais, il y a une langue de Dieu là. Justement, ces gens-là jouent à la tombola. Et une tombola qui est prévue à partir de 19h, on va gagner 20 lots par jour. On va gagner des paniers, 10 paniers. Ils
ont des enveloppes de 500 000, 5 enveloppes de 500 000. Il y a 3 tablettes, 2 téléphones et un écran télé de 43 pouces. Super. Et à 20h, il y a un concert live pour le public. Et vous n'êtes pas souvent envahi ici ? Oh si, on est très souvent envahi. Bon, ça on a l'habitude parce qu'on sait que Gilligan's, c'est en quelque sorte l'espoir de toute une population. Vous voyez, il y a les mamans qui sont arrêtées. Tout le monde, c'est très plaisant, c'est assez plaisant de savoir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à ce que nous faisons, à ce que nous proposons, à nos différents produits. Alors, c'est le maître de l'ambiance ici à Gilligan's City. Et dis-moi, l'énergie que tu dégages, est-ce que ça ramène du monde ici à Gilligan's City? Ouais, mon gars, ça ramène beaucoup de monde avec l'énergie positive qu'on dégage, avec l'inscription, l'animation, les vibes. On l'impose à travers les clients pour les amener à jouer beaucoup et à gagner beaucoup aussi. On est là ceux qui vont gagner et ils vont toujours gagner parce que c'est les joueurs qui gagnent. Donc c'est l'animation et les vibes. Big up! Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Big up. Voilà, je vous prends congé. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Salut. Voilà, c'était ce que... Nous sommes chez un autre équipementier guinéen, Guy Sport. On va essayer de rentrer, faire un petit tour à l'intérieur et voir ceux qui sont venus exposer ici. Et pour le bonheur des Guinéens, mais aussi pour ceux qui viennent se contempler ici à la foire internationale de Conakry. C'est bien beau. Regardez, on apprécie ces qualités à leur juste valeur. J'espère bien que cela pourra vous intéresser. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Et pourquoi le choix de venir exposer à la foire? Primo d'abord, c'est de vendre notre image, faire connaître la population guinéenne aujourd'hui. S'ils peuvent ne pas faire recours ailleurs, Gisport est là pour eux. On est capable depuis 5 ans, on est dans la conception et la commercialisation des équipements sportifs, comme vous voyez là. Donc, quelque part, c'est ça, derrière aussi, développer l'activité commerciale. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. C'est très grand ici. C'est très très large. Voilà. Et notre équipe pensée ici à la fois. Ça fait plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Et pourquoi venir exposer à la foire? Parce que c'est bientôt la CAN. Bientôt la CAN. Alors? Donc, pour que les gens viennent payer les maillots bientôt. D'accord. Et donc, ça veut dire. Voilà, qui sponsorise le série national pour la CAN, c'est ça? D'accord. Merci à vous. Merci. Et félicitations. Au revoir. Voilà. On continue également. On vient voir, il y a tout. Tous les articles sont ici à la foire. C'est beau, c'est mignon. C'est joli à voir. Et ça peut rendre les femmes super belles. En tout cas, je ne vois pas encore pour les hommes, mais il va m'expliquer pourquoi les hommes ils sont pas là. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'être à la foire? Par là, ça s'est bien passé, Inch'Allah. Ça va bien se passer. Ça va bien passer. D'accord? Oui. Vous n'exposez que les colliers des femmes, c'est ça? Oui, bien sûr. Et vous venez de quel pays? Mali. Vous venez du Mali? Oui. Ah super, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, oui. Soyez les bienvenus en Guinée. Merci, merci. Et vous êtes chez vous. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, bonne exposition à vous. Merci bien. Merci beaucoup, ciao. On continue également le tour. Le Mali est là. Le Mali est là. Le Sénégal est là. Voilà, tous les pays sont là. Tout est mignon ici. C'est beau. Des jolis modèles qu'on peut tous apprécier. C'est joli à voir. Bonjour, ici nous sommes au stand du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait plaisir de venir exposer ici à Conakry? Il faut me montrer l'autre là, ouais, c'est grand. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Ouais. Vous êtes client, c'est ça? Je suis client. Et vous êtes guinéen ou
burkinabé ou malien? Je suis guinéen diaspo. Ah, guinéen diaspo. De quel pays vous résidez? Les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. Et là, vous êtes... venez là, moi. Vous êtes sur une chaîne de télé qui vient de la France. Et qu'est-ce que ça fait d'être ici? Bon, c'est très exemplaire parce que on rencontre de pêle-mêle variétés de marchandises. D'accord. Ça nous fait plaisir. Et, mais c'est très authentique. On peut nous servir de ça, amener à l'extérieur. Waouh! Pour montrer notre culture. Notre culture, africaine. Notre identité. Ouais. C'est bien beau ça. Monsieur, quitter le Burkina, venir à Conakry exposer. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé? Oh, c'est à la découverte également de notre marché africain. Conakry, c'est également une ville où est, comment on appelle, un pays ouest africain, un pays voisin du Mali, Burkina. Donc on vient également présenter ce que nous faisons au Burkina. Et puis également connaître ce que font les Guinéens également. Donc c'est les échanges de culture qui nous poussent à venir jusqu'à Conakry ici. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne exposition à vous. Okay, merci. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Tout est beau ici, tout est mignon ici. Voilà, je crois que je me retrouve au Sénégal. Je suis à Dakar. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes sur une chaîne de télé qui vient de la France. Uh-huh. Et pour ramasser un peu d'images au niveau des stands ici à la foire à la 3e édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Conakry exposer vos habits? C'est pour essayer, c'est pour une première fois, je vais essayer voir si ça marche. D'accord. Et à vue d'œil, votre première arrivée, c'est une semaine maintenant de la foire. Et comment vous trouvez? Ah, c'est calme. C'est calme? C'est très calme. C'est très très calme. Très les clients, calme. Ils viennent pas? Non. Ils viennent pas? Non. Peut-être que c'est cher, c'est ça? Non. C'est moins cher? Moins cher. Moins cher? C'est pas cher. Ah, d'accord. Aucun problème. On va monter la vidéo. On va motiver les gens pour qu'ils viennent acheter. Très bien. D'accord. Appréciez tout ça. C'est des jolis modèles exposés ici. Voilà. L'exposante nous vient du Sénégal. Allez, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, messieurs. Oui, vous allez bien? Oui. Vous faites les bazins gazinières. Oui. Qui vient du Mali. C'est ça. C'est une première pour vous à Conakry? Non. D'accord, vous êtes un habitué alors du marché. Ça, c'est ma troisième édition. Troisième, d'accord. Et donc, peut-être les deux précédentes éditions, c'était super bien avec vous, raison pour laquelle vous vous êtes actualisé pour cette troisième édition, c'est ça? Oui. Alors, et le retour de cette première semaine déjà de la foire? Bon, cette année, vraiment, le marché est tellement lent. Nous-mêmes, on a craint vraiment. Ce qu'on demande à la population guinéenne, surtout aux habitants de Conakry, de venir massivement voir nos produits. On a amené des qualités pour la population d'ici. Et ils n'ont qu'à venir acheter avec nous pour nous encourager. Donner de l'avant, nous allons venir après. D'accord. Voilà. Merci même, beaucoup. La première semaine, elle est moche. Elle est moche. D'accord. Entendu, ça va tomber dans des bonnes oreilles. Regardez tout ça, des jolis bazins gazinières. Oui, il y a le cousu, on a fait la création. Ça, c'est le bazin gazinière cousu avec Danfani. Vous voyez. C'est joli. C'est 100% africain. 100% africain. Voilà. Regardez tout ça. On va apprécier. La qualité a sa très juste valeur. Il y a du bon boulot abattu ici. C'est joli et mignon. Voilà. Chez Alassane Haïdara. Bazin gazinière riche. Merci beaucoup, monsieur Alassane. Merci. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Oui, on vient voir notre frère du Bénin. Voilà, les contacts s'affichent déjà. Le Bénin, la Guinée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Le Bénin est très loin de la Guinée. Oui. Et pourquoi choisir la Guinée, la foire? Oui, la Guinée, c'est un pays que je suis commencé à arriver, ça fait des années. Je vends les produits traditionnels concernant les maladies en Pimera, c'était cas. D'accord. Et c'est une première année pour vous? Non, c'est pas une première année pour moi. D'accord. Et deuxième, troisième? Ça fait longtemps que j'ai commencé à arriver. Ça fait très longtemps. Que j'ai commencé à arriver. Super.
Et le marché, c'est comment? C'est un peu lent aussi? C'est calme? Moi, je vois cette année, les clients ne sont pas rentrés dedans. D'accord. Il faut que vous devez inviter les populations pour les gars. Ils vont venir. Parce que vous venez faire les achats avec vous pour s'en croiser, nous aussi les étrangers. Pour la prochaine fois. D'accord. Merci, merci beaucoup. Et... allez, portez-vous bien. Et... au revoir. Voilà. Tout est mignon ici. Lui, c'est un exposant guinéen. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Qu'est-ce que ça fait d'être à la foire? Vous parlez un peu plus fort s'il vous plaît. D'accord. Et le marché c'est bon pour vous? C'est bon? D'accord. Bon courage hein. Allez, bonne soirée. Encore le Mali. Le Mali est très très représenté à cette troisième édition de la foire internationale de Conakry. On fait le petit tour ici. Vous avez des jolies paires de chaussures, femmes, hommes, sacs, tout est là. Et franchement, c'est l'Afrique qui se fait sentir. C'est très mignon. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'être ici? D'être ici, c'est un plaisir pour nous. Et c'est pour présenter le produit africain et surtout le produit artisanal du Mali. Et ça se passe bien? Ça va, ça se passe très bien. Et c'est la première année pour vous? J'ai participé plusieurs fois. Et... ah d'accord, super. J'ai participé plusieurs super, fois. Super, et... super, super. Vous avez un petit message à dire aussi, vous? Le public n'a qu'à sortir. D'accord. Ils vont sortir. Ils vont voir cette vidéo et ils vont sortir. Allez, merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Tout est beau et mignon ici. La foire internationale de Conakry. Également. On voit effectivement comment les choses sont gérées ici. Ici, c'est le podium central. C'est très beau. Et la nuit, ça concert ici. Ça vraiment concert ici la nuit. Voilà. Du beau ici la nuit. C'est que des restaurants par ici. Que des restaurants. Il y a de la bouffe à consommer par ici, le jeu pour les enfants, des jouets. La vie ne fait pas de bruit, c'est la sable.
Le parking de la foire, est-ce qu'il y a des anomalies? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'anomalie. Pour l'instant, il y a les voitures et les motos. Le ticket, ça se passe à 10 000 et puis il y a la sécurité, tout le monde. La foire, ça se passe bien pour l'instant. D'accord. Super, c'est bien alors. Ouais. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Comment ça se passe le boulot? Ça passe très bien. Ça se passe super bien? Oui. Super. Le boulot se passe bien? Oui, très bien, très bien. Très, très bien? Oui, oui. Voilà. Les clients sont satisfaits? Oui. Très satisfaits? Très bien. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Ouais, merci. Portez-vous bien et puis voilà, on s'attrape après. Okay, merci. La nuit, on est là pour gérer le podium central. Okay, okay. À bientôt, salut les gars. Installez toujours cette grande maison qui nous accompagne dans toutes les éditions. Je vais parler un peu de Continental Group. Merci. C'est bien. Vous avez tant entendu cela. On vient baptiser ce qu'on appelle le bonheur au fond droit de vos cœurs. Conakry, bonsoir. Ben, je vous sens pas, je vous entends pas. Conakry, bonsoir. Et par ici, ça dort. Je fais face ici alors. Conakry, par ici, bonsoir. Ah, par ici aussi, ça dort. Conakry, bonsoir. Ah, vous n'êtes pas réveillé. Vous avez faim. Et pourtant, il y a beaucoup d'exposantes ici. On peut faire un petit tour dans les différents stands. Ah, il y en a qui veulent manger de maraoulagni ce soir. Mais si tu me donnes le nom en français, je pourrais vraiment... Le nom en français, le nom de Maraoulagni en français. Ah, moi je connais. Ça s'appelle comment alors? Le nom de Maraoulagni en français, c'est bien le riz camavarisé. Merci d'être venu partager ce bonheur avec nous ce soir, ici à la foire. La troisième édition sous la signature. Je me vais donc déjà remercier DJ Mousse. Merci beaucoup, frère. Oh, les femmes, vous avez les entendu femmes ça. N'ont pas prouvé qu'elles sont présentes. C'est que les hommes qui ont prouvé leur présence, voilà. Pour Yves. Si je savais, j'allais chanter pour les hommes. Ah bon? Les hommes, la prochaine fois, je viens pour vous. Pendant que vous, je vous ai défendu. Hein, ah parce bon? Que j'ai dit aux femmes de se lever et travailler pour vous aider. Ah, mais c'est mignon ça. Les femmes, applaudissez pour Yves. Nous sommes sur le podium central du Continental, mais il y a quatre critères à respecter pour bénéficier de ce qu'on appelle le cadeau Continental. Cela s'adresse également à tous les exposants et exposantes qui sont dans les stands. Un, il faut avoir un bon stock dans le frigo fax. Deux, savoir ordonner les produits dans le frigo fax. Trois, la propriété. Il faut être propre pour que le public qui se sert de vos frigos, ils se disent oui, la propriété est vraiment respectée. Quatrième critère à respecter pour bénéficier le cadeau Continental, la présence de tous les produits disponibles dans le dépôt et surtout les bouteilles d'eau en bas du frigo. Les bouteilles d'eau en bas du frigo. Est-ce que c'est compris les exposants? Alors, famille, on a des grandes commerçantes import-export du côté de Madinan, centre commercial Yansania 2, qui s'est joint à nous ce soir
pour vivre cet instant solennel. Merci à vous d'être venu partager ce partage de gâteau. Lansana Al-Jaba, bonne arrivée. Et tous les artistes qui vont prester ici ce soir sont priés de venir se faire enregistrer juste derrière le podium pour faciliter votre passage sur cet auditorium de Continental. Le défilé des artistes se poursuit. À présent, nous allons filer avec d'autres faiseurs de tubes qui parlent dans ce crachoir. Et ça caresse le cœur. Et vous allez apprécier la qualité à sa très juste valeur. Je reçois pour vous, pour votre bonheur, Escila. Yeah. Oh. Escila, il est habillé aujourd'hui en textile guinéen. Il n'est pas comme moi. Bonsoir, S. Bonsoir, monsieur. Ça va? Je vais vous dire ce soir, tout le monde, bonsoir à vous. Yeah, Dieu. Attendez, S. Oui. Ayez le courage de répondre aux artistes. Parler dans le micro, c'est complexe. Chanter, c'est très difficile. Ah oui. Encouragez les artistes, s'il vous plaît. Merci. Ma. Consommer. Vrai ou faux les hommes? Tous les hommes célibataires, levez les mains. J'ai 50 euros pour les hommes célibataires. Tous les hommes célibataires, levez les mains, je dis. Tous les hommes célibataires, levez les mains. Les hommes célibataires, levez les mains. Je dis là. Moutilé, moutilé. Moutilé, aïe. Moutilé, moutilé. Moutilé, aïe. Kata 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 kata
ça va Conakry. Maudisson de 1h du matin, maudisson de 2h du matin, maudisson de 3h du matin, maudisson de Prakata Kutuki, maudisson de Blitikitiki, oui, maudisson de Kukutuku. On met des dents. Dis, c'est bon. Parce qu'il y a trop d'hommes célibataires.